Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur Factorio. Alors, on avait vu dans le chapitre 1.1 les bases à acquérir sur les réseaux logistiques. Aujourd'hui, toujours chapitre 1, petit 2, les objets connectables. Alors, on va tout de suite passer à la première question, qu'est-ce qu'un objet connectable? Un objet connectable, hein, c'est tout simplement, on prend un câble logique, on essaye de le connecter à un objet, s'il se connecte, c'est un objet connectable. Alors bien souvent, on ne se rendra pas compte que c'est un objet connectable tant qu'on n'aura pas essayé de le connecter. Il en existe de toutes sortes, on les verra en détail par la suite. Hein. Et puis moi, je préfère utiliser le terme d'appareil intelligent, comme je l'ai indiqué sur mon guide. Hein. Je vous rappelle, je suis à l'origine d'un guide sur Factorio sur Steam en version 0.14. Hein. Ici, on est sur des tutos en version 0.15 de Factorio. Donc tout de suite, on va passer à la seconde question. Bah, quels sont-ils, hein? Enfin, pardon, combien sont-ils? Alors déjà, on peut les classer en trois catégories. J'en suis aussi à l'origine de ces catégories. Alors, on trouve donc les appareils intelligents actifs, les appareils intelligents passifs et les appareils intelligents réversibles. Hein. C'est moi qui les ai définis ainsi. Tout de suite, je vais vous expliquer justement la différence dans ces trois catégories en passant par chaque catégorie. Hein. Donc tout de suite, on va passer aux appareils intelligents actifs. Alors les appareils intelligents actifs, ils auront pour but d'émettre un signal en vue d'influencer un autre appareil intelligent. Ils ne pourront pas eux-mêmes faire une action mécanique. Il faudra qu'ils influent un appareil qui lui fera une action mécanique. Hein. Donc eux, ils n'auront que pour but d'émettre un signal. Hein. Pour la plupart, ce sera leur contenu qu'ils émettront. Et justement, leur contenu, enfin la marchandise, hein, sera le signal. Et la quantité de cette marchandise, hein, ce sera la valeur du signal. Hein. Alors qu'est-ce qu'on retrouve comme contenant? Justement, on retrouve les différents coffres, ainsi que les coffres logistiques. Vous pouvez remarquer que j'ai omis le coffre logistique de demande, car il fait partie d'une autre catégorie. On y viendra plus par après. Hein. Et puis on retrouve aussi la citerne. Alors comme je disais, hein, ils envoient leur contenu, donc on a dans le mode de fonctionnement lire le contenu. Et puis on pourra voir l'information des contenus, hein, sur le réseau, sur un poteau ou autre, hein, via un affichage, digital, ainsi de suite. Hein. On pourra voir tout ça. Hein. Mais ces affichages, on les verra plus tard dans les chapitres suivants. Hein. Je ne le ferai pas tout de suite. Hein. Allez, on va passer tout de suite aux autres appareils, hein, aux autres appareils passifs. On trouve justement l'accumulateur. L'accumulateur, il enverra son niveau de charge, comme il est indiqué, sous la forme d'un signal A. Bien sûr, ce signal A, on peut nous-mêmes le changer. On peut mettre C ou alors même le signal de l'accumulateur en signal de sortie. Hein. C'est pas dérangeant. Hein. Et puis, cette charge sera comprise entre 0 et 100. Donc on pourra utiliser un seul accumulateur pour des montages et donc du coup utiliser cette valeur de 0 à 100 comme un pourcentage. Donc admettons qu'on ait 20 de charge, on aura 20 de 100, donc 20%. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parlera en pourcentage de charge pour un accumulateur. Si on avait deux accumulateurs, on obtiendrait 40 sur 200, donc vous voyez, on serait obligé de faire le calcul. Donc moi c'est pour ça que je vous conseillerais de toujours, si vous utilisez un accumulateur, vu qu'il y a une répartition
de charge, hein, sur tous les accumulateurs, une fois qu'ils se sont vidés, ils se remplissent tous de manière égale. Donc c'est pour ça que moi je vous conseillerais d'utiliser toujours un seul accumulateur pour vos montages. Hein. Allez, on va passer au suivant. Donc on a les robots portes. Premier mode de fonctionnement, on a lire le contenu du réseau. Donc on pourra, comme je vous l'ai montré dans mes displays, on a un périmètre jaune orangé qui est le périmètre de lecture des coffres logistiques. Et donc justement, le robot porte pourra lire tous les coffres contenus dans son réseau. Si on a plusieurs robots portes collés les uns aux autres, hein, il faudra bien faire attention que ces réseaux orange se touchent, hein, ces réseaux de lecture des robots logistiques, hein, des coffres logistiques, pardon. Et puis on n'oubliera pas que le coffre bleu, hein, comme je l'ai dit, n'est pas pris en compte dans la lecture des coffres. Hein. C'est un coffre qui est à part pour la bonne et simple raison, c'est que ce coffre, une fois que les marchandises sont à l'intérieur, il n'y a pas de robot qui vienne prendre ses ressources pour les mettre dans un autre coffre. Donc c'est bien un coffre de finition, on va dire, hein, de fin de parcours, et donc le contenu ne doit pas être visible sur le réseau logistique. Hein. Donc on pourra toujours quand même lire le contenu du réseau logistique. On prendra bien en compte que c'est le coffre d'approvisionnement passif, le coffre d'approvisionnement actif et le coffre de stockage, hein, comme les premiers que je vous ai montrés sur la photo. Hein. Allez, on va passer donc à son deuxième mode de lecture qui est lire le compte des robots. Alors là, on retrouve quatre lettres, hein, X, Y, Z et T, qui correspondent chacun à leur catégorie. Alors bien entendu, ces signaux de sortie, on pourra aussi les changer directement dans le robot porte. Hein. Par exemple, si on voulait que que le total des robots logistiques soit en signal de sortie, un signal de robot logistique, il est tout à fait possible de le changer. Hein. Et donc, du coup, d'être à notre convenance. Hein. Donc, voilà pour ces deux modes de fonctionnement. Je vous demanderai de faire justement attention. Ici, on a justement ces deux petits points. Alors, je vais revenir sur la photo précédente. Hop, vous avez vu, ici on a un point et ici on a un point. Quand il s'agit d'un point, ça sera l'un ou l'autre. C'est ce que j'explique ici. Vous voyez, ici on a bien, c'est ce que je dis, on a l'un ou l'autre. On n'a pas les deux. Si on avait l'opportunité d'avoir des croix, on pourrait mettre les deux en même temps. Donc ici c'est bien des points, donc c'est l'un ou l'autre. Allez, je passe à la vidéo suivante. Alors, oui. Photo suivante, pardon. Oui, j'avais oublié de préciser que ce total, hein, que ce soit lire le contenu du réseau ou lire le nombre de robots, c'est sur notre réseau logique. Hein. Quand il s'agit de lire le contenu du réseau, je veux dire le robot porte, lui lit en tout temps les deux. Mais il ne prend mais ensuite nous on devra choisir l'un ou l'autre. Hein. Ce sera à notre convenance sur le réseau logique. Hein. Alors, on va passer à la suivante. Alors on a aussi l'émetteur de constante. Alors dans ma précédente vidéo, je l'avais mal expliqué, je m'en excuse. Là je vais entrer un peu plus dans le détail de l'émetteur de constante. Alors l'émetteur de constante, on va le considérer comme un coffre virtuel. Il pourra d'une part nous envoyer des messages de ressources. N'importe quelle ressource, donc justement on pourra envoyer des convoyeurs, on pourra envoyer des minerais, comme je vous l'ai montré dans les premiers onglets, donc tous les produits finis, les produits intermédiaires, les ressources primaires, mais pas uniquement. On pourra aussi envoyer les liquides, ainsi que les chiffres compris de 0 à 9, les lettres de A à Z, et puis on pourra aussi envoyer des couleurs. Alors vous pouvez remarquer que j'ai dans cet émetteur de constante, hein, chaque signal a une valeur différente. Cette valeur, on peut la décider, on peut la choisir dans cette petite case-là ou à l'aide de ce potentiomètre. Hein. Alors, je ne sais plus à combien le maximum, hein, mais moi, j'utilise toujours cette petite case-là pour rentrer mes valeurs. Hein. C'est plus facile, plus rapide, je trouve. Hein. Donc voilà. Donc, et puis, il y a aussi un mode particulier aussi à celui-là. On peut l'activer ou le désactiver à notre convenance. Vous voyez, hein, il suffit de cocher la case ici. Il est éteint. Il n'envoie plus tous les signaux qui lui sont stockés.
Alors ici, je parle bien de signal qui lui est stocké, parce qu'en aucun cas, il a ses stocks. Il n'envoie pas des stocks, il n'a rien en lui. Comme je vous l'ai dit, c'est un coffre virtuel. Allez, on va passer tout de suite à la catégorie suivante, puisqu'on a terminé avec les appareils actifs, donc on va passer aux appareils intelligents passifs. Alors, les appareils intelligents passifs, hein, on dit qu'ils sont passifs pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils n'émettent pas de signaux. Ils auront pour but de seulement juste de traiter les informations qu'ils recevront excusez-moi, dans le but d'une action mécanique. Hein. Ensuite, ils n'auront bien sûr hein, aucune influence sur le réseau vu qu'ils n'émettent pas de signal. Et pour finir, ils auront tous la même interface, leurs conditions de fonctionnement, leurs conditions d'activation. Hein. Justement, on peut voir ici un petit encadré d'une condition d'activation qui sera commune, donc comme je l'ai dit, hein, qui sera commune à tous. Hein. Alors, on va passer tout de suite au premier appareil. Au premier appareil passif, on trouve la pompe côtière. Alors, vous voyez, hein, on a différents logos comme ici le signal Wi-Fi, le signal logique, et puis on trouve justement la condition d'activation. Hein. C'est ça qui va nous être important pour ces appareils intelligents passifs. Donc le premier, donc la pompe côtière, alors je les passe vite fait, hein. On retrouve ensuite la pompe, on trouve le commutateur d'alimentation électrique, hein. Alors bien entendu pour celui-là c'est particulier, une fois que vous l'aurez connecté au réseau ici, ce mode actif éteint, vous ne pourrez plus y toucher. Ce sera seulement la condition qui pourra jouer un rôle dessus, mais vous ne pourrez plus avoir mainmise dessus. Alors que s'il n'était pas connecté, on pouvait toujours l'activer, désactiver de façon manuelle. Allez, on va passer au suivant. Ensuite, donc la lampe. La lampe, alors je m'excuse hein, pour cette photo, je me suis rendu compte plus tard que j'avais ce gros logo pas d'alimentation. J'ai fait cette photo un peu n'importe comment, je m'en excuse. Et puis, donc on retrouve toujours ce mode d'activation. Et puis ici, on a cette case qui est une croix. Hein. Ici, c'est un rond, on le voit très bien. Ici, c'est une croix. Donc on pourra l'utiliser en même temps, utiliser les couleurs. Alors ces couleurs-là, hein, on les retrouve bah, tout simplement, ce sont les couleurs de Factorio, hein, les couleurs des lampes. Je vous montrerai dans la vidéo suivante ce qu'on va pouvoir comment l'utiliser. Hein. Mais tout de suite, on va passer au dernier objet connectable, à l'appareil intelligent passif, et on trouve le haut-parleur programmable. Alors j'ai volontairement coché les trois cases hein, pour tout de suite avoir le plus grand palmarès. Hein. Et puis justement, on peut regarder qu'ici on a un potentiomètre pour le volume, que on peut émettre ce son sur toute la carte ou pas du tout. Ensuite, qu'on peut afficher l'alerte. Alors, afficher l'alerte, souvent vous avez des alertes qui vous disent si vous êtes attaqué, combien, si vous avez, si quelque chose a été détruit, ainsi de suite. Et bien ici, on pourra choisir le logo de ce que l'on veut et le texte qui est adapté. Par exemple, je prends le signal d'une foreuse ou même d'un minerai et puis je dis faire égale 0 par exemple hein, en mettant la condition ici si je reçois plus de signal minerai de fer égale à 0 et dans ces cas-là j'envoie le signal minerai de fer mine finie par exemple hein, ou mais compris hein. Donc on pourra faire ce que l'on envie. Ensuite on va aussi pouvoir changer le type de sonnerie ou même de type d'alarme. Alors pour ça je vous conseille testez vous-même parce qu'il en existe énormément. Et puis on va aussi en cochant cette case-là permettre la polyphonie. Permettre la polyphonie, alors si je ne dis pas d'erreur, parce que c'est pas quelque chose, je suis pas musicos, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, je ne sais pas si en changeant, en lui faisant recevoir plusieurs informations, il pourra changer justement le son. Alors il me semble bien hein, que chaque son, enfin chaque marchandise a sa propre sonnerie. Alors, enfin là c'est le terme sonnerie parce qu'il est marqué sonnerie, mais il y a piano ainsi de suite. Hein, mais a son propre son de sonnerie par exemple ou propre son de piano, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup permettre à la polyphonie permettra d'obtenir différents sons. Alors il faudra peut-être lui envoyer
les sons décalés par des bits. Ben, je vous rappelle, 70 bits est égal à une seconde. Hein. Il faudra peut-être décaler le nombre de bits hein, pour avoir des différences de sons. Je laisse les musiciens gérer tout ça. Pour ma part, moi, je suis plus sur du fonctionnel productif que sur la musique. Hein. Et tout de suite, on va passer en vidéo pour justement ces conditions d'activation dont je n'ai sans cesse dont j'ai sans cesse parlé, pardon. Et puis on va passer en vidéo pour ceci. À tout de suite. Alors j'ai fait un montage tout simple hein, pour la démonstration de cette partie. Alors j'ai pris un émetteur de constante. Hein, je vous rappelle, c'est un coffre virtuel. Hein, il pourra émettre tous les signaux que je désire. Donc c'est un actif. Hein, et puis on a notre passif hein, qui est ici, où on va pouvoir voir la condition d'activation. Alors ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est qu'ici on a une case vide. Hein, et une case ici, on a 0. Alors, dans cette case vide, hein, on peut choisir tous les signaux que l'on désire. On retrouve les matières logistiques, hein, ainsi que les sols. Hein. On retrouve tout ce qui est usine, tout ce qui est matières premières, intermédiaires, potions, l'armement. On trouve aussi les liquides parce qu'on peut, on peut faire une action même avec des liquides. Hein, et puis on retrouve aussi ces signaux-là. Alors vous remarquerez hein, que le signal chaque a disparu. C'est particulier, c'est dans les passifs, hein, le chaque disparaît au moment du traitement d'information. Et puis on retrouve donc justement hein, les lettres, pardon, les chiffres, les lettres hein, et les couleurs. Alors là, on va prendre une condition d'activation. On va lui dire que si on reçoit le message A, le signal A, et que si ce signal A est bien supérieur à 0, eh ben on va pouvoir émettre, enfin on va pouvoir allumer la lampe. Donc on va aller dans l'émetteur de constante. Alors je vais me décaler exprès, je vais l'éteindre vite fait, et puis ici, hein, je vais entrer le message A. Et puis maintenant, je l'active et la lampe s'active. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Alors je vais effacer tout ça. On va regarder aussi quelles sont les autres options qu'on peut avoir. Donc ici, on avait l'opportunité de rentrer une valeur, mais pas que. On peut par la même chose, hein, la même chose que le premier carré, rentrer les mêmes données, les mêmes marchandises, hein, les mêmes liquides et les mêmes signaux. Mais on peut rester, comme je vous l'ai montré il y a un instant, sur des valeurs définies. Hein. Donc des valeurs, par exemple, 100. Voilà. Hein. Donc ici, j'aurais pu mettre, par contre, signal B. Voilà. Donc on va utiliser ce mode d'activation. On va dire, si notre valeur A est supérieure à B, dans ces cas-là, la lampe peut s'allumer. Donc je vais rentrer ici le signal B, dans un premier temps, pour avoir une émission de quelque chose. Hein. Je vais le mettre à 2, par exemple. Voilà. Et puis, hop, pardon, excusez-moi, je l'ai fermé pour rien. Et puis là, je vais mettre mon signal A. Alors pour l'instant, on n'a pas d'activation. Je vous rappelle, hein, il faut que notre signal A soit supérieur à notre signal B. Donc, hop, je vais passer à 2, donc toujours rien. Je vais passer à 3, et là, la lampe s'allume. Ce qui est tout à fait logique. Hein. Donc, c'est justement les conditions logiques. Hein. Donc maintenant, on va passer, je vais vous montrer utiliser les couleurs. Alors bien entendu, pour les couleurs, hein, je peux très bien lui demander d'agir, hein, par exemple au signal rouge. Donc je vais lui demander, je vais ici définir à 0, voilà, pour m'éviter de changer la valeur du signal. Et puis ici, je vais demander de fonctionner. Alors vous pouvez remarquer hein, que je n'ai pas coché la case et donc je n'ai pas de couleur. La couleur ne s'est pas mise. Par contre, si je coche la case, on obtient la couleur. Si j'avais changé la valeur, alors je vais mettre par exemple le signal vert. Hop, et ici je vais mettre mon signal vert. Vous voyez, la lumière s'est allumée. Donc si on reçoit le message, elle s'allume. Si on ne reçoit plus le message, elle s'éteint. Vous voyez, tout simplement. Hein. Mais on ne va pas pouvoir uniquement faire ceci. On va pouvoir aussi lui demander de s'activer par exemple au signal A. Vous pouvez remarquer que j'ai toujours utilisé les couleurs qui est activée. Alors je vais passer ici, je vais me décaler volontairement et puis je vais envoyer mon signal A. Hop, et là vous voyez la lumière s'éteint. Alors hop, donc excusez-moi, donc hein, si j'éteins mon commutateur, mon émetteur de constante, il n'a plus de signal A
qui était mis, même de signal vert, hein, et donc du coup on n'a pas de lumière. Alors j'aurais pu aussi mettre un autre émetteur, hop, ici, hop, j'ai oublié de prendre un câble, je vais me connecter, dans celui-là je vais envoyer mon signal vert, et dans celui-là je vais le retirer exprès. Et puis justement, je vais activer, désactiver, et vous allez voir le signal, bien que la lampe reçoit en continu le signal vert, là, la lampe ne s'allume que quand elle reçoit le signal A, comme il est indiqué dans sa condition. Alors bien entendu, on peut aussi faire la même chose avec deux canaux différents. Alors j'ai déjà réglé celui-là, hein, sur 1, il émet déjà. Par contre, le deuxième ici, il est éteint, donc je vais l'allumer et on va voir que la lampe a traité les deux informations comme je l'avais signalé dans les bases dans le précédent chapitre, hein, enfin dans la précédente vidéo, hein. Donc on peut remarquer que même avec deux câbles différents, un passif, enfin même tout appareil intelligent arrive à traiter les informations qui lui sont demandées, hein. Donc il n'y a pas de souci, hein. Voilà l'explication, on va passer à la suite. On se retrouve maintenant pour les appareils réversibles. Alors les appareils réversibles, ils ont justement les mêmes caractéristiques que les appareils actifs et les passifs. Ils pourront donc influencer un appareil ou être influencés par un appareil. Et j'ai bien ici stipulé le et ou, car ils pourront émettre une information ou recevoir une information pour qu'elle soit traitée. Donc ils pourront avoir une action mécanique comme ils pourront émettre. Alors tout de suite, on va voir quels sont-ils. Alors on retrouve déjà, pour commencer, la porte. La porte, vous pouvez remarquer qu'ici, il y a un petit voyant rouge. Ce petit voyant rouge, ça va être là où on va connecter la porte. Sur cette photo aussi, vous voyez que la porte est décalée du mur et donc on n'a pas ce petit voyant. Donc c'est bien à cet endroit-là, sur le mur, juste à côté de la porte, qu'on va pouvoir se connecter. On pourra le faire donc de chaque côté. Ensuite, donc, on peut regarder donc, la condition d'activation, enfin les conditions de fonctionnement, pardon. On pourra ouvrir la porte. La porte pourra être ouverte si elle reçoit un message, une condition d'activation. Hein, donc ici, hein, la condition d'activation, ça va être l'ouverture de la porte si elle reçoit ce message-là. Alors bien entendu, elle restera ouverte tant qu'elle recevra ce message. Ensuite, on a aussi lire le capteur. Lire le capteur, eh ben, c'est simple. Quand la porte va être ouverte, elle va émettre un signal. Ici, c'est le signal G qui est d'origine par défaut. Et puis, on pourra nous-mêmes le changer. On pourra mettre, par exemple, O pour ouverture. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On pourra mettre O. Excusez-moi. Ensuite, justement, on peut mettre aussi les deux, hein, donc c'est pour ça que je vous ai mis la photo. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ici on a ces deux croix et donc on peut mettre ces deux activations en même temps. C'est bien important, ce n'est pas des points, donc c'est pour ça que je vous le souligne encore une fois, c'est des croix, donc les deux en même temps. On va passer donc au suivant, qui est le coffre de demande. Le coffre de demande, justement, lui, il a deux modes d'activation et comme vous pouvez le constater, c'est l'un ou l'autre. Dans un premier temps, on va pouvoir lire le contenu. Je vous avais parlé comme quoi il était absent du réseau logistique, donc il n'était pas visible. Donc il faudra le connecter via, vous voyez, il n'y a pas de logo Wi-Fi, hein, donc il faudra le connecter via la logique pour voir son contenu. Ou alors, justement, on pourra passer en mode ajouter des demandes pour compléter ici, pour compléter des demandes qu'on ne pourrait pas avoir. On peut demander plus de 10 demandes via cette option d'ajouter des demandes. Alors, ça peut avoir une autre utilité aussi pour des demandes variables. On peut par exemple demander 50 minerais de fer et puis à un moment donné, suivant les productions, on en demandait plus que 25. Donc on peut justement ajuster suivant nos besoins, suivant ce qu'on veut réellement, hein. Donc voilà, je n'en dis pas plus sur ce coffre logistique. Je vous montrerai des possibilités d'utilisation, hein, dans mes prochaines vidéos.
Allez, on va passer donc au suivant qui est justement les bras robotisés. Les bras robotisés, justement, ils ont deux modes de fonctionnement. Donc, enfin, on a activé, désactivé, hein, ou on peut aucun, c'est-à-dire on choisit l'un ou l'autre. Hein. Alors, je trouve un petit peu dommage hein, ce qui nous est fait, ceci. Il suffisait qu'ils nous mettent deux cases à cocher, hein, soit celle-là, soit celle-là, et enfin. Ou les deux, et puis c'était tout simple, hein. C'était aussi bien. Bon, ils ont préféré faire comme ceci, c'est mon avis personnel, mais bon, voilà. Alors donc on retrouve ce mode d'activation, donc cette condition d'activation, comme on l'a vu au préalable, hein, qu'on retrouve dans les passifs, hein. Et puis on a aussi lire le contenu du bras. Alors, donc, de lire le contenu du bras, il suffira de cocher, et puis dès que, par exemple, le bras vert, il peut en prendre 12 maximum quand on a fini les recherches, eh ben, on pourra voir ceci. Alors, cette photo-là est en 0.14, il existe une autre option qui est ici, j'ai oublié de mentionner, je m'en excuse, hein, j'ai pas fait attention que il y avait cette partie-ci dans mes explications et je viens de m'en souvenir actuel un instant. Il y a la possibilité de changer la pile, c'est-à-dire que un bras bleu en fin de recherche peut prendre 3 items, un bras vert donc pour tous ceux qui sont de la même catégorie 3 items, hein. Et pour tous ceux qui sont ici pour les deux derniers donc les verts les hautes capacités jusqu'à 12 items. On peut changer la pile, les réduire au nombre qu'on désire, c'est-à-dire que ceux-là les inférieurs hein, pourront prendre de 1 à 3 items et ceux-là de 1 à 10 items, hein. Il faut savoir qu'ils ont de la même vitesse de rotation hormis pour ces deux-là qui ont des vitesses inférieures, hein. Allez, on va passer à la catégorie suivante. Ben justement, je parlais de catégorie suivante, mais il existe une particularité pour ces deux-là. Une particularité qui concerne justement définir les filtres. Comme vous le savez, le bras blanc peut prendre n'a qu'un filtre, et le bras violet, si je ne dis pas de bêtises, il a jusqu'à 5 filtres. Mais des fois, ça peut nous être. On peut-être, dans certains montages, en avoir besoin de beaucoup plus. Et donc, justement, en choisissant cette option-là, donc on a plus cette option de activer-désactiver, bien entendu, mais on peut définir les filtres. Et donc, on peut lui dire, par exemple, au bras blanc, de prendre, par exemple, du cuivre et du fer. Il pourra prendre les deux à la fois, alors que ça ne lui était pas possible au départ. Hein. Donc c'est une nouvelle option, enfin c'est des options qui lui seront permises via la logique. Hein. On va passer au suivant. Justement, on a les feux ferroviaires. Alors, bien entendu, ne pas confondre avec les signaux chaînés. Hein. Les signaux ferroviaires simples, hein, bah, ils ont justement un mode de fonctionnement passé au rouge sous une certaine condition. Comme ça empêchera par exemple des trains de passer. On pourra faire des aiguillages via ceci et via les chaînées aussi, parce que les chaînées empêcheront le train de se mettre à un carrefour. Et puis on pourra aussi lire la couleur du feu. Alors, lire la couleur du feu, vous voyez, on a rouge, orange et vert. Et donc on pourra changer aussi ces signaux. Au lieu de par exemple au rouge d'envoyer le signal rouge, on pourra au rouge envoyer un signal T. Par exemple, hein, ou alors la valeur d'une marchandise, enfin le signal d'une marchandise, pardon. Hein. Donc voilà pour ces signaux ferroviaires. Allez, on va passer à la suite. Donc justement les convoyeurs. Alors là, j'ai pris comme exemple les convoyeurs express, mais cela fonctionne pour tout type de convoyeur. Donc on aura toujours ce mode d'activation, désactivation, et puis on a lire le contenu du convoyeur. En ce qui concerne lire le contenu du convoyeur, ben justement, il y a un mode supplémentaire qui est unique et continu. Alors, il faut savoir que dans lire le contenu du convoyeur, cette partie connectée au réseau va scanner, donc on verra un scanner hein, continu sur le convoyeur. Et justement, ce scanner va pouvoir vous lire les items qui passeront devant lui. Et dans le mode unique, eh ben, l'item qui va passer, on verra une brève impulsion, une impulsion d'un bit, hein, normalement, si je ne me trompe pas. Par contre, en mode de lecture continue, tant que l'item, la marchandise, sera devant le scan, la marchandise, on verra
Ça, on verra. Un signal, elle, qui sera elle. Hein. Alors si par exemple à ce moment-là, parce qu'un convoyeur peut en totalité avoir 8 articles, 8 marchandises, donc on pourra avoir un signal continu de 8. Un signal continu de 8 parce qu'on pourrait avoir 8 marchandises qui passeraient à ce moment-là sur le convoyeur en continu chez Debian. Allez, on va passer au suivant. Alors, on a les arrêts de train. Alors, j'ai volontairement changé le nom de la station. Hein. Je l'ai appelé arrêt de train pour qu'on puisse savoir de quoi ça parlait, hein. Même si le logo de l'arrêt de train est représentatif. Et puis, on peut remarquer que déjà, ça se complique un peu. Hein. Alors, j'ai volontairement coché ces deux cases-là. Il me semble que d'entrée, si je ne me trompe pas, on a envoyé au train qui est coché. Donc j'ai décoché celle-là et j'ai coché les deux autres. Alors on peut déjà voir que dans un premier temps on pourra changer la couleur. Donc on a le vert, le rouge, enfin pardon, on a le rouge, le vert, le bleu, et on peut obtenir donc différents mélanges. Il nous suffira de rentrer ici les valeurs ou de jouer sur les potentiomètres. Hein. En ce qui concerne l'activation et désactivation qu'on retrouve ici, donc on a la condition d'activation. Donc on pourra activer ou désactiver l'arrêt de train, comme je vous l'avais montré tout à l'heure avec le signal ferroviaire. Ici on a l'arrêt de train qui pourra empêcher, enfin qui pourra fermer la station, on va dire, et donc elle ne sera plus détectée par un train. Donc le train pourra par exemple, dans ses ordres, aller à l'ordre suivant. Donc à la station suivante sans se préoccuper de cette station-là, hein. Si elles ont des noms différents bien entendu. Hein. Ou alors si les arrêts portent tous le même nom, eh ben, on pourra désactiver certaines stations sous certaines conditions, et donc hein, sur les conditions d'activation, et donc du coup n'en avoir qu'une seule ouverte et faire un train, un train à la demande. Il n'ira qu'à la station qui sera ouverte. Hein. C'est encore une des possibilités. Hein. J'en parlerai davantage quand je passerai au chapitre 2 sur le réseau ferroviaire. Donc ensuite, on a aussi lire l'identifiant du train. Donc c'est pour ça que je voulais marquer, je l'ai coché ici, parce qu'on a ce petit encadré qui apparaît. Hein, celui-là, donc c'est pour activer, désactiver. Celui-ci, c'est pour lire le contenu. En ce qui concerne les deux autres, il n'y a pas d'encadré supplémentaire. Hein. D'ailleurs, si on décochait ces deux-là, on aurait juste cet encadré-là qui serait visible. Hein. Enfin, je veux dire, tout ceci qui serait visible. Hein. On n'aurait pas ces parties inférieures. Hein. Donc, je passe tout de suite à lire l'identifiant du train. Je reviendrai ensuite sur ces deux-là après. Alors, l'identifiant du train. Alors, en fait, voilà, il faut qu'un train arrive à cette station. Au moment où il va s'arrêter, il va envoyer un signal T. Ce signal T, alors bien sûr on peut le changer nous-mêmes, hein, on peut mettre locomotive à la place par exemple, hein, mais ce signal T dépendra donc du train. C'est-à-dire par exemple vous avez 10 trains sur votre carte. Vous allez poser votre 11e train. Ce 11e train s'arrête à cette station. Le signal T qu'il enverra, il aura une valeur de 11. Si vous avez posé, je ne sais pas moi, 75 trains et que ce 76e arrive à cette station. Il enverra comme signal T de valeur 76. On est bien d'accord, hein? Donc ce sera suivant au moment où vous avez posé votre train sur la carte, il obtiendra cette valeur. Alors si vous avez des trains qui fonctionnent à double sens, on peut arriver et qui fait demi-tour à un moment donné, hein, et ben, il peut émettre d'un côté, je sais pas moi, 75 et de l'autre côté 76. Hein, on est bien d'accord, donc on pourra avoir deux signaux différents alors que ça fait partie d'un seul et même train. Hein. Enfin, d'une composition de train. Hein. Donc il faudra bien faire attention à ceci. Hein. Ensuite, donc comme je vous en ai parlé, on a envoyé au train. On peut demander au train de démarrer sous certaines conditions. Pour cela, on rentrera dans les ordres du train, mais pour pouvoir le faire, il faut que le train soit arrêté à une station et par l'intermédiaire de cette case-là qu'on cochera, on pourra envoyer cet ordre de notre réseau logique à notre train via l'arrêt. Inversement, notre train, en arrivant à cette station, peut aussi donner son contenu et il le donnera sur notre réseau logique. Alors pour ma part, je n'utilise pas ces deux derniers.
J'utilise beaucoup activer, désactiver et envoyer au train pour mes trains à la demande et ceci pour la même chose. Par contre, lire le contenu du train, généralement, je sais ce qu'il contient, donc j'ai pas besoin de le savoir. Et puis lire l'identifiant du train, ça peut être utile pour des aiguillages, par exemple, mais pour ma part, je ne les utilise pas. Allez, on va passer au suivant qui est donc les foreuses. Les foreuses, on a deux modes de fonctionnement. Alors, ce coup-ci, vous voyez, hein, je vous ai séparé sur deux encadrés, hein, les deux modes de fonctionnement. Alors, bien entendu, on peut cocher les deux. Alors, on retrouve donc sur la photo du bas la condition d'activation, donc on pourra arrêter le forage sous une certaine condition. Hein. Et ensuite, petite particularité, je m'en excuse, petite particularité, on a lire des ressources. Ici, on peut remarquer qu'on a lire des ressources de cette foreuse. En cochant cette case-là, donc forcément on les active ici parce que c'est un point, on pourra lire tout le champ de minerai. Alors je vous demanderai de faire bien attention, de connecter, si vous le prenez que sur une foreuse, de connecter celle où il y a la plus grande valeur de ressources. Pour la bonne et simple raison, c'est que si votre foreuse, hein, vous l'avez pris en extrémité, admettons qu'elle est uniquement 351 unités de pierre, hein, parce que ici j'ai le logo pierre, donc on va prendre 351 ressources de pierre, et que sur la foreuse d'à côté il y en est 859, hein, je vais prendre ce chiffre-là parce qu'il est indiqué ici, mais ça c'est autre chose. Hein. Et bien si la foreuse à 351 se termine, elle ne sera plus comptabilisée dans tout le champ. Donc si vous avez mis une condition d'activation où la valeur est égale à 0 pardon, si vous aviez mis un haut-parleur et puis que un haut-parleur programmable, un passif, et qu'il vous signale quand le champ est terminé, eh bien, il pourrait sonner alors que votre champ n'est pas terminé, parce que la foreuse ne serait plus comptabilisée comme étant dans tout le champ de minerai. Donc faites bien attention à connecter, si vous n'utilisez qu'une seule foreuse, à connecter plutôt à la foreuse dont la valeur de ressources est la plus importante. Allez, on va passer donc à la suivante, et justement celle-là suivante est sa petite sœur, qui est la foreuse thermique. Alors pour ma part, les foreuses thermiques, c'est bien en début de game. L'inconvénient, c'est que ça utilise du charbon, hein, même si les foreuses précédentes peuvent en utiliser aussi par l'intermédiaire des centrales thermiques. Voilà. Pour ma part, je ne les utilise pas, enfin je n'utilise aucun contrôle logique dessus parce que au moment où j'obtiens la logique, mes foreuses thermiques ont déjà disparu. Mais c'est bon de savoir qu'on peut aussi les connecter et qu'on peut avoir le même genre d'information. Allez, je passe à la suivante. Donc on a le chevalet de pompage. Le chevalet de pompage a aussi, lui, deux modes de fonctionnement. Un activé, désactivé. Alors je ne vous le montre pas parce qu'on commence à avoir l'habitude. Et puis on a justement la petite case qui va nous intéresser en plus, car différente des autres, hein, qui est lire les ressources. Alors pour la ressource, hein, un chevalet de pompage, c'est le pétrole. Donc le signal qu'il enverra, c'est le pétrole. Mais en ce qui concerne la valeur sera activée toutes les... Enfin, sera réévalué toutes les 5 secondes. Donc, si votre débit change, la valeur sera changée. Donc, vous comprenez, hein, je viens de le dire, la valeur qui sera envoyée, ce sera le débit. Donc, ici, on a le signal qui sortira de ce chevalet de pompage, ce sera un signal pétrole de valeur 2. Voilà, donc petit à petit, il passera peut-être à 1, mais on saura tout ça. Via la logique, si on le désire. Voilà. Allez, on va passer aux deux derniers qui sont le comparateur et le calculateur. C'est les deux plus gros appareils connectables. Enfin, c'est ceux qui vont nous permettre de faire énormément de choses. Et puis, ben, on va voir tout ça tout de suite sur le terrain, car ils sont assez compliqués. À tout de suite. Allez, on va rentrer dans le détail du comparateur et du calculateur. Alors, je vais commencer tout de suite par le premier, par le comparateur, qui va être, on va dire, un peu plus simple à comprendre. Alors, on peut remarquer aussi, comme dans les appareils passifs, on a aussi cette condition
cette condition d'activation. Cette condition d'activation, on retrouve dans la première case tous les signaux qu'on possède, hein, mais on a aussi ce chaque qui est apparu. Hein. Si vous mettez chaque, hein, sachez que vous pourrez mettre que chaque en sortie ou tous les autres signaux, mais vous ne pourrez pas mettre tout et n'importe quoi. Hein. Si on met par exemple n'importe quoi en signal en de sortie, nous aurons tout. Et pour finir tout, on aura tout. Voilà. Hein. Donc, ce sera les différentes façons d'utiliser ces signaux spéciaux sur ces appareils-là. Après, quand il s'agit d'un passif pur, on peut les utiliser de manière différente. Alors, je vous demanderai vous-même de tester. Hein. N'oubliez pas, n'importe quoi. On n'aura pas chaque, bien entendu, hein, mais on aura n'importe quoi ou tout. Hein. Donc, je vous demanderai de tester. Là, j'ai fait un petit montage. Vous allez comprendre juste après. Hein. Alors, je vais revenir tout de suite dessus. Donc, on a le premier. Donc, on peut choisir les signaux qu'on veut. Ensuite, on a le deuxième, la valeur ou le signal. Hein. C'est comme les passifs qu'on a vus précédemment. Et puis on a aussi cette sortie qui est supplémentaire, d'où le réversible. Et celui-là, c'est bien un et ou à la fois, parce que si sa condition est fausse, il n'enverra pas sa sortie. Alors on va passer tout de suite un exemple. Hein. Ici, hein, je prends justement ce signal 1. Alors, excusez-moi, je vais désactiver celui-là d'abord. Voilà, donc ce signal 1, vous voyez qu'il est éteint, mon émetteur de constante. Hein, et puis ici, j'envoie, alors j'ai mis tout pour l'exemple suivant, hein, mais je pourrais envoyer le signal 1 en sortie. Donc voilà. Et puis, donc j'ai laissé, vous voyez, comme d'entrée. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, hein, ici, on retrouve tous les signaux. Donc on a supérieur, inférieur, égal, supérieur, égal, inférieur ou égal ou différent. Donc je vais faire les différents exemples ici. Donc on a le premier, on va laisser sur une valeur. Donc on envoie le signal 1 et puis en sortie. Alors je vais changer par contre la valeur du signal 1. Je vais le mettre à 10. Voilà. Et donc je vais émettre mon signal. Vous avez vu, la lampe s'est allumée parce que ici en entrée j'ai bien un signal d'entrée qui est de 10. Donc la condition, hein, c'est si notre signal, la condition d'activation, hein, si notre signal est supérieur à 0, il a droit de passer. Et puis ici on a un compteur d'entrée. Donc tout ce que j'envoie, je le sors. Donc j'envoie 10 en entrée, donc en sortie, j'envoie 10. Hein. Ma lampe, elle s'allume, c'est normal, parce que je lui ai demandé de répondre à n'importe quel signal en utilisant la couleur. On verra après. Hein. Donc ensuite, on va voir maintenant en le comparant à un autre. Donc on va le comparer à deux. Ce signal 2, je vais l'envoyer ici. Et puis justement, on va comparer les deux. Pour l'instant, j'ai bien le signal 1 qui est supérieur au signal 2. Hein, donc comme c'est dans la condition, donc forcément ma lampe laisse passer, enfin mon comparateur laisse passer le signal de sortie. Par contre maintenant si je passe à 11 par exemple, voyez, je n'ai plus ma lampe s'est éteinte hein, parce que je n'ai plus la condition d'activation est fausse. Enfin oui, il est fausse, donc il ne peut plus envoyer de signal de sortie. Pour revenir encore sur cette condition-là, hop, je reviens en arrière. Hein, et puis justement, on a cette petite case compteur d'entrée. Donc comme je l'expliquais il y a un instant, tout ce que j'envoie en entrée, il ressort pour la condition de sortie que je lui avais mis. Là, j'ai mis le signal 1, donc forcément, il envoie en compteur d'entrée le signal 1 qu'il reçoit. Si j'avais coché cette case 1 ici, et là, en sortie, hein, vous pouvez voir sur le cadré à droite, je n'ai plus 10 comme le signal d'entrée. Donc en sortie, je n'ai plus que 1. Donc justement, cette petite case que j'ai cochée. Alors, ce sera très utile pour du binaire si vous avez besoin, mais surtout si vous envoyez, hop, j'envoie le signal 1 égal à 0. Et si je l'envoie en compteur d'entrée, vous allez voir que ça ne va pas. Ça va pas s'allumer. Vous voyez, ça ne s'est pas allumé, la lampe ne s'est pas allumée. Pourquoi? Parce que ici, au moment où je demande que ma condition soit vraie, il faut que la valeur de 1 soit égale à 0. Et donc forcément, je ne peux pas avoir de signal de sortie. Vous voyez, sur mon comparateur, je n'ai pas de signal d'entrée. Donc je ne peux pas avoir de signal de sortie. Si je coche la petite case 1, hop. Et bien on peut remarquer qu'en absence
du compteur d'entrée, enfin du signal d'entrée, je peux tout de même avoir ma sortie uniquement de valeur 1. Voilà. Par contre, si j'avais envoyé un signal, par exemple 4, voilà, et que ici il faut envoyer un signal, je l'envoie sur le deuxième, un signal 4 de valeur 5, par exemple, voilà, et bien on peut remarquer qu'en laissant le compteur d'entrée, dans ces cas-là, ah, on n'a rien. Tiens, c'est épatant. Pourtant, il reçoit les deux. Ah non, il reçoit pas les deux. Ah bah oui, excusez-moi. Voilà. Donc il reçoit les deux, ce coup-ci, hein. Il reçoit même le signal rouge qui est à l'intérieur, hein, mais il ne laisse passer que le 4 que je lui ai demandé. Alors par contre, si je lui mets tout, dans ces cas-là, il fait passer aussi la couleur et le signal. Alors on pourra voir que pour les affichages, ça peut être utile, hein. Alors je peux aussi lui demander de laisser passer que le signal rouge, hein. Donc dans ces cas-là, la lampe elle sera rouge aussi, hein. C'est pas un souci, hein. Donc vous voyez, on peut lui demander d'envoyer un autre signal du moment que on fait rentrer. Alors ici j'ai utilisé un câble différent, hein, mais j'aurais pu utiliser un câble rouge, le faire passer sur le réseau rouge, ça aurait été la même chose, hein. Donc voilà, donc on peut utiliser donc ce compteur d'entrée, hein, bien faire attention. Si on envoie un signal, on peut l'utiliser. Si on n'envoie pas ce signal-là, au moment où la valeur est égale à 0, n'oubliez pas de cocher cette case-là. Après, si vous voulez qu'en sortie, vous n'ayez uniquement une valeur 1, hein, bah moi je vous conseille de laisser cette case-là cochée tout le temps. Pour ma part, c'est ce que j'utilise, hein. J'utilise très rarement des valeurs, des compteurs d'entrée, parce que ce qui m'importe le plus, c'est plutôt la valeur, le signal, enfin le fait d'émettre une information, hein. Voilà. Donc voilà comment dire, voilà ce qu'on peut faire avec un comparateur, hein. Les Anglais appellent le comparateur un décideur, hein, parce qu'il permet de prendre des décisions par rapport aux paramètres d'activation qu'on va lui donner, hein. Donc je vous rappelle, hein, tous les signes, un cycle différent. Ensuite, pardon, excusez-moi, hein, qu'on peut comparer deux signaux entre eux, même des couleurs, hein, des signaux, quand je parle de signaux, hein, tout ceci, c'est des signaux, même si c'est des marchandises en soi, c'est un signal de marchandise, hein. Et puis de valeurs différentes, hein. Donc on peut comparer donc des valeurs différentes. Je vous rappelle, hein, si j'ai envoyé ici le signal 2, hein, et que ici j'ai envoyé le signal 2, hop, j'ai oublié d'activer. Voilà, hein, ça ferait passer sans souci, hein. Hein, donc hop, donc voilà. Tout simple, hein. Enfin, c'est un petit peu dur, hein. Dur à comprendre, hein, mais une fois qu'on sait les utiliser, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de secrets, c'est relativement simple. On peut même faire des tempos avec eux, mais j'en reviendrai sur eux sur une prochaine vidéo, hein. Allez, on va passer au suivant, justement le plus compliqué des deux, malgré le fait, hein, c'est le calculateur. Le calculateur a le même encadré, on va dire, que le comparateur, hein. Donc ici on pourra émettre un signal, hein. Ici on pourra aussi émettre un signal ou une valeur, et puis en sortie on pourra émettre une valeur. Une valeur, la valeur, ça pourrait être l'addition, une soustraction. Donc justement, on va regarder les différentes possibilités. Alors on peut remarquer qu'on a multiplication, division, addition, soustraction. Ici, le pourcentage. Le pourcentage sera le reste d'une division. Ensuite, ici, le petit chapeau, c'est les exposants. Donc on pourra, je vous montrerai juste après, faire les exposants. Ensuite, ici, on a le décalage de bits sur la gauche, décalage de bits sur la droite, et ensuite les trois portes différentes, la porte E, la porte OU et la porte OU exclusif. Alors, je vais rentrer dans les détails tout de suite dans cet exemple, ça sera beaucoup plus simple, hein. Alors, donc, ici, j'envoie un signal 1 qui est de valeur 10, un signal 2 qui est de valeur 3. Alors, on va regarder tout de suite le résultat de notre... Alors, je vais me décaler un tout petit peu pour qu'on puisse être le plus proche de cette partie ici, hein, pour que on puisse voir. Donc, on est sur une multiplication, hein. Donc, sur la multiplication, attendez, je vais me décaler, hop, ici, comme ça j'aurai un peu de chemin à faire. Voilà, donc sur la multiplication, on voit bien que 10 fois 3 est égal à 30. Je passe à la division. Ici, on a bien 10 divisé par 3 égale 3. Il nous restera 1.
Il ne sera pas visible. Tout ce qui est derrière la virgule n'est pas pris en compte par par la logique. Donc il prendra que les nombres entiers. Ensuite, hop, on va faire l'addition. Donc on a bien 10 plus 3, 13, on est bien d'accord. La soustraction, on a bien 10 moins 3, 7. Ensuite, je vous avais parlé du reste de la division. Donc on était à 10 divisé par 3, on obtient 3. Pour le reste de la division, il nous reste 1. Donc c'est bien cette valeur-là qu'on a en résultat. Hein. Ensuite, on va continuer les exposants. Alors, on a bien 10 exposant 3, et donc ça fait 10 fois 10 fois 10, donc on a bien 1000. Ensuite, alors cela, je vais entrer en détail un peu juste après. Là, je vais vous parler des portes, des différentes portes qu'on a d'ores et déjà, hein, qui nous évitent des montages. Donc, on a la porte E. Alors, j'ai oublié de le choisir, excusez-moi. Donc, je choisis la porte E. Alors, vous voyez les petits logos qui apparaissent à chaque fois, hein. J'ai oublié de préciser, hein. Vous voyez ici ça change. Donc on a la porte E. Alors, comme le signale cette porte, il faut qu'on ait l'un et l'autre signal pour pouvoir émettre. Alors, j'ai essayé de comprendre le signal de sortie, pourquoi il était égal à 2, pourquoi il n'était pas égal à 1, et pourquoi il n'était pas égal à l'addition des deux. Je n'ai pas de solution pour le moment. Hein. J'ai regardé vite fait, mais sans trop me pencher. Si je trouve cette solution, ou si quelqu'un la trouve, hein, moi j'en parlerai dans mes let's play. Si quelqu'un trouve la solution de ce qu'ils ont fait, bah, qu'il m'en parle, ça m'évitera peut-être de chercher. Hein. Donc voilà pour la porte E. Donc il faut qu'ils reçoivent les deux messages pour fonctionner. Hein. Donc justement, je vais faire la petite démonstration. Donc j'ai enlevé le 2. Et puis on peut remarquer qu'on n'a qu'un signal d'entrée, on n'a plus de signal R de sortie. Hein. Donc je vais remettre le signal 2. Voilà. Et puis ah pardon, oui, c'est vrai, il fallait que je change ici. Il fallait que je mette au moins à 2 pour avoir un signal de sortie. Voilà. Alors, par contre, si j'avais mis mon signal ici à 1, voilà. Et ici, vous voyez, j'ai plus de signal de sortie. Si je le mets ici à 1, on a bien un signal de sortie 1 en R. Hein. Vous voyez, c'est cette partie compliquée que je vous disais au niveau de la porte. Hein. Ensuite, on va passer au OU. Alors, le OU. C'est un ou, donc si il reçoit l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, il peut envoyer sa sortie. Donc ici, j'ai bien les deux signaux d'entrée, hein, donc si j'en retire un, voilà, je vais retirer le 2 encore une fois, vous voyez que j'ai bien une sortie du signal. Hein. Si je mets le 2 et que j'enlève le 1, j'ai toujours un signal de sortie. Voilà, et si je retire les deux, pardon, hop, forcément je n'ai plus de signal de sortie. Hein. Si je remets les deux, hop, hop, j'ai bien mes deux signaux, j'ai bien mon signal de sortie. Ensuite, on va passer au OU exclusif. Alors, le OU exclusif, il faut que je reçoive que l'OU exclusif, c'est si j'ai l'un ou l'autre, dans ces cas-là, j'ai une sortie. Comme je vous ai dit, hein, c'est des portes logiques. Hein. Donc justement, je vais en couper un. Vous voyez, j'ai coupé le 2. Donc j'ai bien un signal de sortie. Si je coupe les deux, j'ai plus de signal. Donc j'ai plus de signal de sortie. Et puis si je mets hop, juste le 2, vous voyez que j'ai de nouveau un signal de sortie R. Hein. Donc voilà en ce qui concerne les portes. Et puis pour le décalage des bits, là je vais passer sous tableau pour vous expliquer qu'est-ce que justement les nombres binaires. Hein. À tout de suite. Alors, pour l'explication du décalage binaire, il fallait d'abord préciser la définition d'un système binaire. Alors, le système binaire est le système de numérotation utilisant la base de 2. On nomme couramment le bit de l'anglais binary digit, soit le chiffre binaire, les chiffres de la numérotation binaire positionnelle. Ceux-ci ne peuvent prendre que deux valeurs notées par convention 0 ou 1. C'est un concept essentiel de l'informatique. Donc, comprenez bien qu'on va transformer les chiffres en binaire, en base de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 ou 0, 0, 0, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc justement, on va passer sur un petit exemple tout de suite. Alors, je vais prendre
comme chiffre hein, que je trouvais le chiffre 7. Ce chiffre 7, hein, pour les chiffres binaires, on sait qu'on a des 0 ou des 1, donc il faut que je le divise par 2. J'obtiens un résultat de 3. Donc il va me rester 1 dans cette division. Donc ce que je vais pouvoir obtenir, c'est justement que 7 divisé par 2 est égal à 2 plus 2 plus 2 plus 1, soit 2 fois 2 plus 2 plus 1. On est bien d'accord, hein, c'est la même chose, hein. Donc je tenais bien mes 7, hein, et puis j'ai une base de 2. Ensuite, ce qu'on obtient, ben on peut les mettre au niveau exposant. Donc on a bien 2 au carré plus 2 puissance 1 qui est égal à 2 et ensuite 2 puissance 0 c'est égal à 1. Donc maintenant que j'ai cette base-là qui est établie, ben je vais rentrer tout ça dans un tableau. Alors je vais partir sur les 2 puissance quelque chose, hein. Vous voyez, j'ai rangé 2 puissance 3, 2 puissance 2, 2 puissance 1, 2 puissance 0. Et puis maintenant je vais visualiser, suivant l'opération que j'ai marquée juste au-dessus, ben je vais visualiser combien j'ai comment dire. Voilà, j'ai 2 puissance 2, où est-ce qu'il est? Alors, 2 puissance 3, j'en ai aucun. Ensuite, 2 puissance 2, j'en ai bien 1, donc je vais noter 1. Ensuite, 2 puissance 1, bah, j'en ai 1 aussi, donc je note 1. Et 2 puissance 0, on l'a vu aussi, j'en ai 1, donc je note 1. Donc voilà la représentation binaire du chiffre 7. Il représente à 0, 1, 1, 1, 1. Alors maintenant, justement, pour vous expliquer ce décalage binaire, on va prendre ce 2 puissance 2. 2 puissance 2 est égal à 4. Donc si je décale à droite de 1, eh ben, j'obtiens 2 puissance 1. Donc le résultat que je vais trouver sur mon calculateur sera 2. Si je reprends mon exemple de 4, hein, donc 2 puissance 2, si je le décale de 2 vers la droite, eh ben, j'obtiens 2 puissance 0. Donc mon résultat va être 1. Donc voyez ce qu'on va obtenir avec ce décalage de bits, on va obtenir ces chiffres suivant les puissances que l'on obtiendra. Donc il faudra bien entendu, si par exemple je prends 1 au départ et que je décale 2 de 2 sur la gauche, donc je vais avoir 2 puissance 2, donc le résultat du calculateur sera 4. Voilà pour cet petit exemple, enfin voilà pour cette explication du décalage de bits. J'espère que ça a été clair pour vous. Et puis petite précision, hein, il ne faut pas confondre les ticks et les bits. Hein. Donc 60 ticks est égal à une seconde et 1 bit, c'est la base des chiffres binaires. Hein. Voilà ce qui termine notre épisode. Je vous remercie d'avoir regardé. Le prochain épisode, ce sera toujours chapitre 1 sur la logique, petit 3, les contrôles logiques, hein. On verra le contrôle des convoyeurs, le contrôle pétrolier, le contrôle énergétique, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir contrôler. Et puis, j'ai plus qu'à vous poser une dernière question. Si vous avez regardé cet épisode avec attention, vous allez pouvoir me dire sans tricher combien de devises connectables en Wi-Fi nous avons. En totalité, hein. Alors laissez-moi vos résultats en commentaire, hein. Donc c'est le petit logo qui représente un N plus des ondes, hein. C'est le logo de la représentation de la logique passant par la Wi-Fi, hein. Voilà pour cet épisode. Après, si vous avez trouvé cet épisode utile, eh ben, laissez un petit pouce bleu, un commentaire pour d'éventuelles questions ou pour votre réponse. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir de prochains tutos. Allez, ciao, ciao, ciao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you